l'épée en minigem sera quand même assez OP, donc t'as 2% de chance de mettre poison 5 secondes à ton ennemi. Puis ici, il y a 3 machines un petit peu étranges, donc déjà l'imprimante en gros, vous allez mettre du papier dans l'imprimante, et bien chaque 30 minutes, ça va générer de l'argent. Wesh les moches, c'est KitKat, on se retrouve pour une petite présentation de Minosia. Du coup les mecs, Minosia ouvre ce samedi le 24 à 15h. Du coup si vous êtes intéressé à joindre le serveur comme d'habitude, toutes les infos sont en desk, donc Twitter, Discord, site, etc. Le serveur a l'air quand même assez sympathique, hein, c'est un petit serveur modé, donc en soi, voilà, il y a beaucoup de monde dans les commentaires qui m'a demandé « Ouais, arrête de prendre des Vanilla, prendre des modés. » Mon perso, j'aime quand même ça les Vanilla, surtout certains qui ont beaucoup de nouveautés. Bref, on s'en fout, là je vais être content puisque c'est un modé. Ah puis du coup, comme à chaque fois aussi, je fais gagner un petit peu de PB, donc pour l'ouverture, 800 PB, hein, c'est toujours sympathique. Donc pour participer, c'est très simple comme à chaque fois, likez, s'abonner, puis commenter vos pseudos sur Minosia. Bref, c'est une V5, donc vous connaissez déjà sûrement le serveur. Ça, c'est deux petites informations pour les anciens qui connaissent le serveur. Donc déjà là, les Sept de Hill sont de retour, donc voilà, dans la version, ils n'avaient pas, dans ce que j'ai compris. Et puis les knockbacks sont revenus comme à la V2. Donc en soi, avant, il y avait des mauvais knockbacks, dans ce que j'ai compris. En tout cas, dans la version, les joueurs aimaient moins que les Kobe. Maintenant, mais c'est revenu comme avant. Ensuite, ici, quelques commandes, dont le Farm to Win, hein, permet d'acheter des kits et des spawning games, ce qui est quand même assez parfait. Et puis ensuite, des autres trucs, FTS, Bottle XP, Rewards, c'est intéressant. C'est des récompenses journalières, bon en gros, donc voilà, ça c'est quand même assez basique, mais c'est quand même cool en fait. Ensuite ici, des trucs basiques, donc de l'opsy renforcé il me semble, donc craftable dans le wiki juste là, vous pourrez regarder par vous-même quand vous allez vous connecter, des échelles et puis un coffre en garnet, désolé je connais pas les minerais, je suis obligé d'avoir. Ensuite les 4 nouveaux minerais du coup, garnet, améthyste, titanium et puis minosite, donc voilà, c'est les 4 nouveaux minerais, minosite bien sûr le meilleur. Ensuite ici, un paquet de nouveaux items, donc en gros, très simple, donc premièrement il y a des sept, donc sept d'explosion, sept de soins et sept de capacité, donc au capacité ça va donner tous les effets, celle de soins ça te régène, mais bien sûr il y a un cooldown pour pas le spammer, et puis celle d'explosion ben, c'est pour faire péter des cris. Enfin je pense pas c'est des cris, je pense juste des explosions, mais bon on va pas tester au spawn. Hein. Ensuite un paquet d'autres nouveaux trucs, donc probablement il y a des pièces qui vont être échangeables à des PNJ plus tard, donc une sorte de marché noir, donc on pourra farmer ces pièces là, surtout aux events, etc. pour justement échanger aux PNJ plus tard. Ensuite des joints, un petit peu la même chose que le set de capacité, ça vous donne des effets speed et puis force, donc juste ça donne pas faire résist, donc faut traîner des potions. Ensuite la machette et l'outil multiple, donc outil multiple vous êtes pas con, vous savez c'est quoi, et puis la machette en gros c'est pour casser plus rapidement un melon, citrouille et puis le weed. Ensuite ici, potion de lait, potion d'antichute, donc en gros voilà, potion de lait clear tous les mauvais effets, potion d'antichute, c'est basique. Ici, 3 nouveaux minerais en minosium, donc en gros c'est supérieur au minosite, donc bref, c'est craftable. Donc ça c'est un marteau pour miner 3x3, donc pour miner c'est déjà quand même assez OP. Ici, il y a le sabre qui permet de mettre en feu en fait quelqu'un pendant 5 secondes, en gros il y a fire aspect sur l'épée quoi. Et puis ensuite, il y a l'épée en minosium, ça là quand même assez OP, donc t'as 2% de chance de mettre, donc tu mets un coup sur 50, tu vas mettre poison 5 secondes à ton ennemi, donc c'est un petit peu, c'est quand même bien, parce que c'est quand même long, faut mettre beaucoup de coups d'épée, mais bon. Ça reste quand même assez OP. Et puis pour finir, voilà deux trois petits trucs par-ci par-là. Donc, j'ai un pain d'améthyste pour donner As-2, un sac pour mettre des items, une clé de récupération pour récupérer le psy renforcé. Bref, ici, tous les nouveaux minerais, hein, comme partout, il y a des minerais aléatoires, des sortes de random ore. Ici, un petit peu de weed, donc voilà, c'est les plantes qui permettent, vous faites le droit là-dessus, c'est les plantes qui permettent de crafter des joints, en fait, que j'ai déjà bouffé tantôt. Puis ici, il y a 3 machines un petit peu étranges, donc déjà là, on va les ouvrir, donc déjà là, l'imprimante, en gros, vous allez mettre du papier dans l'imprimante, et bien chaque 30 minutes, ben là, c'est beaucoup plus rapide, mais en gros, chaque 30 minutes, il y a un papier plus, non, deux papiers plus une poche d'encre qui va se transformer, et puis ça va générer de l'argent. Donc, c'est une machine qui permet de générer de l'argent, quoi. Après ça, vous pourrez pas trop en abuser, vous pourrez pas poser 10 000 imprimantes un peu partout, mais ça reste quand même un moyen assez innovant de farmer la monnaie. Ensuite ici il y a le duplicateur, donc en soi vous allez mettre un livre enchant et puis avec 100 levels vous allez pouvoir le dupliquer. Donc là j'ai pas 100 levels, mais vous allez cliquer sur duplicier et puis vous aurez double de livres, mais ça marche seulement avec les livres enchantes. Et puis ici le désenchanteur, vous êtes pas con, c'est pour désenchanter des items. Bref les gars, moi j'ai déjà fait le tour du serveur sans rien que je vous montre tout le reste, hein, par exemple HDV custom, des trucs du genre, hein, il y a ça un petit peu partout. Par un truc assez sympathique je trouve avec les PNJ en fait, c'est quand vous approchez il y a des trucs qui apparaissent en haut de leur tête, donc ils expliquent chaque PNJ, donc bon c'est un peu con mais moi je trouve ça quand même assez stylé. Et puis bref, il y a aussi le classement faction que je viens de me rappeler tout juste, j'allais dire d'autres choses, mais bon c'est bon. Donc ça, vous venez ici au spawn, donc il y a le classement faction, fait que les droits sur PNJ, puis ça c'est tous les moyens de gagner ou de perdre des points. Ensuite ici, le top 6 des classements, j'imagine aussi qu'il y aura un top 10 plus tard, là ça arrête juste au 6, c'est bizarre. Et puis sinon, ben, voilà, donc moi j'ai déjà fait le tour de Minosia, comme j'ai dit au tout début, si vous voulez venir jouer, ben, toutes les infos sont en desk. Moi perso, je vais peut-être venir avec ma faction, en vrai le serveur quand même a l'air assez intéressant, puis ces temps-ci, il y a pas trop de serveurs actuellement ouverts qui sont vraiment que j'adore. Donc actuellement, je connais pas Minosia, je vais peut-être venir jouer, c'est la première fois que je viendrai jouer, bref. Je ferai l'ouverture. Sur ce, moi je vous laisse les jeunes. Voilà, merci d'avoir écouté. Et puis moi je vous laisse avec une vidéo dans quelques jours sur Minosia probablement. Et voilà, donc merci d'avoir écouté. N'oubliez pas le concours. Et puis toutes les infos sont en desk. Donc, ciao ciao les jeunes.